Это без имени продакшн. Bon appétit, mon fils. Merci, papa. Tu sais, tout à l'heure, le maître il nous a envoyé les devoirs de l'espagnol. Ah, vous faites de l'espagnol, là? Vous avez commencé l'espagnol? Oui. Ah, je connais l'espagnol. Ah, c'est facile, l'espagnol. C'est sûr? L'espagnol, c'est comme le français. Tu rajoutes, en fait, O et A à chaque fin de phrase. Bon, je t'explique. Par exemple, aujourd'hui, yo, je suis parti à l'école. Aujourd'hui, je suis parti à l'école. Ben, tu vois, tu parles espagnol, c'est pas ouf quand même. Par exemple, hiero mangiara merguezo. Hier, je mangeais des merguez. Ben, tu vois, ben, tu parles espagnol. Non, mais l'espagnol, c'est... Vas-y, essaye, je suis sûr que tu parles bien espagnol. Ok. S'il te plaît, arrête de me prendre pour un imbécile. Speedy Gonzalez a volontairement servi à mon client une pizza super chaude, sans avertissement et sans considération pour les traumatismes physiques et moraux dont mon client allait faire les frais. Je vous prouverai que le geste criminel de Monsieur Gonzalez n'était en rien accidentel, mais plutôt la conséquence directe de sa soif inextinguible de vitesse. Nous vous démontrerons que si Monsieur Gonzalez avait tout simplement pris plus de temps entre le four et la table pour permettre à la pizza de refroidir, alors cette funeste tragédie aurait pu être évitée. Tu fais les choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois? Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Ça y est, la vérité me saute aux yeux. J'ai enfin découvert ce que je veux faire de ma vie. Je veux être joueur de basket pro. Tu mesures à peine 1m6. Oh, tu sais que t'es un trucideur de rêve. J'espère que t'auras jamais d'enfant. Aux dernières nouvelles, tu étais coiffeur. Je veux me lancer un nouveau défi. Et puis je sais plus où j'ai mis mes ciseaux. Je serai fermier, je travaillerai la terre, je nourrirai l'humanité. Un fermier, ça se lève à 4h du mat. Non, attends, je sais. Je vais faire alpiniste. Toi, escalader des montagnes? Gravir des falaises vertigineuses, escalader des sommets inaccessibles. T'arrives même pas à monter les escaliers. C'est le changement d'altitude. Je suis arrivé au sommet. Oh, il y a une vue de malade. Salut. Salut, étranger. On dirait que je t'interromps en pleine pensée. Ça fait rien. Je pense à des trucs chouettes. Ça me change de d'habitude. J'aimerais tellement pouvoir en dire autant. Tu serais prête à mourir pour moi? Oui. Non, trop facile ça. Est-ce que tu serais... prête à vivre pour moi? Oui. Attention. Ne fais pas ce serment à la légère. Dis donc, qu'est-ce que tu attends? Tu peux mettre n'importe quel mot, c'est toi qui commence. Je fais ce que je peux. Dogarf, c'est un mot? Je ne te le dirai pas. J'adore jouer avec toi. Voidgrf. Ça, c'est un mot, ça. Ça m'étonnerait, puisque c'est imprononçable. C'est vrai que ça fait mal à la mâchoire. Darvog? Ben quoi? Je conteste. Darvog, c'est un mot. Alors fais une phrase avec. Je viens de le faire. Darvog, c'est un mot. C'est pas une phrase, ça? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une phrase? Parce que si tu sais pas ce que c'est, on va pas pouvoir jouer. J'ai l'impression de jouer avec un gosse. Tu veux manger un truc? Mon ventre Darvog. Et d'ailleurs, où est ton alliance? Elle n'est pas à ton doigt. Oh, j'ai dû l'oublier quelque part. Mais où est ton respect de notre mariage? Probablement avec l'alliance. Eh, dis donc, chérie, tu as eu de la visite aujourd'hui. Attendez, moi? Non, je n'ai pas eu de visite. C'est bizarre, il y a des traces de pas dans le jardin. Et ce doit être le jardinier. Mais c'est qu'il y a aussi des traces de pas dans la cour. Oh, mais ce doit être... le courrier, je présume.
Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est la note du plombier. Oh, c'est cher. C'est cher? Cher, oui. Qu'est-ce qui est cher? Le petit chou. Comment? C'est écrit à bientôt cher, petit chou. Chérie, le plombier est venu colmater une fuite. Tu coulais à ce point-là? Je n'ai que faire de tes soupçons, toi qui as des aventures avec tout ce qui bouge. Normal, après avoir baisé 15 ans avec une statue. Et nous n'avons même plus de vie familiale. Même ta fille, tu la traites comme une étrangère. Bon, ça c'est exagéré. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour madame, votre passeport s'il vous plaît.